Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui là du coup sur une vidéo intervention post-FAP, nettoyage du coup du FAP chimique par procédé de mousse chimique active. Je vais un peu amener les pinceaux, mais ce fameux nettoyage du coup du FAP. Et là, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un décalaminage. Donc ça fait à peu près une semaine que le client a roulé. Donc on va pouvoir comparer les résultats à la valise et vous montrer un petit peu comment ça se passe et surtout comparer le avant-après. Donc là, décalaminage à l'hydrogène, baisse de la consommation, baisse de la pollution, excellent traitement pour le contrôle technique. On va retrouver forcément un nettoyage du coup complet du moteur avec traitement préventif sur l'encrassement du FAP et de l'EGR. On va prévenir leur encrassement. En aucun cas, on va venir les nettoyer, mais du coup, ça va permettre forcément de limiter leur encrassement de façon ultérieure. Donc on a alimenté la machine à décalaminage sur la batterie du véhicule et on envoie l'hydrogène directement dans l'admission d'air par ce tuyau. On va passer sur les résultats présents sur la valise. Donc décalaminage, ça va permettre forcément de nettoyer toute la chambre de combustion, tête des injecteurs, tête de bougie, etc. etc. Le nettoyage du FAP est un nettoyage du coup uniquement du FAP. Je le précise puisque j'ai beaucoup de clients qui me demandent du coup quelle est la différence entre ces deux traitements. Donc là on peut voir qu'on est intervenu le 8 juillet, donc il y a à peu près une semaine, et le traitement du coup avant, on était à 47 millibars au ralenti. Donc c'est des valeurs qui sont très élevées, surtout chez Peugeot. Donc on va se mettre sur les résultats actuels. Ni plus ni moins. Et on va se mettre du coup sur les valeurs du FAP qui sont actuellement du coup de 4 millibars au ralenti. Donc c'est des valeurs qui sont tout simplement exceptionnelles. Là on est au ralenti, si on se met à 2000 tours, voilà. Si on se met à 2000 tours, on est à 26 millibars, donc c'est aussi tout à fait très bien. Ce sont des valeurs qui sont dans les normes. On peut voir le FAP qui s'est bien régénéré entre temps à 300 km. Voilà, donc on a retrouvé un FAP avec des valeurs qui sont saines, durables. Et là, le décalaminage va permettre de nettoyer du coup toute la chambre de combustion pour prévenir l'encrassement ultérieur du FAP. Donc le client, alors c'est vrai que dans l'idéal, c'est mieux de faire le décalaminage avant le nettoyage du FAP, puisque forcément, on va avoir un petit peu de calamine qui va tomber dans le FAP. Mais bon, malheureusement, c'était pas possible sur le jour même et ce n'était pas prévu. Donc voilà, bon, il fait une semaine d'intervalle. Le client va aller du coup prendre le véhicule après, faire 10-15 km, rouler dynamique pour essayer de retrouver du coup, d'évacuer tous les résidus. Et à partir de là, ça ne pose absolument aucun problème. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, site internet, francedecalamines bordeaux.fr.